Hey, salut tout le monde, c'est Enfadouz et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur Ion. Donc aujourd'hui on va faire une petite vidéo où je suis avec Titou Yazi. Et c'est un jeu que j'aime vraiment passionnément. Donc pour tout vous expliquer, là pour cette séquence vidéo, j'en ferai peut-être une autre pour vous expliquer un petit peu le déroulement de toutes mes playlists. Mais là pour cette vidéo, en fait je vais plutôt faire une aventure avec un personnage. Et j'aurai Titou Yazi avec moi et aussi Diablo Jojo, et on sera trois à faire cette attaque, cette aventure plutôt. Et donc franchement je trouve ça super et j'aimerais découvrir le jeu avec vous. Et franchement j'aimerais vous donner du plaisir et vouloir l'acheter. Enfin l'acheter, le jeu est gratuit parce que c'est un free to play, mais il était payé à l'origine, c'est pour ça que je dis ça. Et je m'embrouille un peu en ce moment. Enfin bah, vous allez voir une petite séquence vidéo avec des petites cinématiques et des moments que j'ai pris en ayant joué avant, parce que j'ai un personnage perso. Et donc du coup regardez cette séquence vidéo pour vous donner une petite envie, enfin une petite idée. Et puis après on commence directement dans le sujet. A tout de suite. Non. Merde, faut taper le mot de passe, le code PIN. Oh c'est fail mon père. C'est clair. Allez, c'est parti. Ah je vais tomber sur la putain de cinématique de... Une guerre éternelle fait rage dans les abysses. Et cette guerre était aussi la vôtre. Par contre on attendra le pas le temps mon vieux. Des Asmodiens arrivent par derrière. Nous sommes encerclés. Splendide. Hey, il pleut. Fais attention, je vais les surprendre. Vous combattiez pour Elysea, pour Ion et pour les seigneurs empyréens contre les Asmodiens, ces déchus venus des ténèbres au-delà des abysses. Et contre une autre menace encore plus redoutable. Il n'y a aucun doute, ils s'approchent. Celle des impitoyables Balor et de leurs immondes sbires et Drakan. Ils sont là. Ils avaient régné sur ce monde. Et ce qu'ils ne peuvent dominer, ils le détruisent. Pour la lumière. À l'origine, Ion avait créé un monde parfait. Et jusqu'au grand cataclysme, tous ces peuples s'étaient battus ensemble contre la tyrannie des Balor. Mais depuis le jour maudit où les Asmodiens ont massacré la Légion d'Elyséens, arrivés par erreur dans leur monde obscur, les abysses sont le théâtre d'une lutte sans pitié entre les forces de la lumière et celles des ténèbres. Débat avec moi. Pour Elyséens ! Strike, strike, frère. C'est le combat que vous meniez avant d'oublier votre passé et votre destinée. Ah, je vais bientôt arriver. Réveillez-vous. Me dites de vous réveiller. Réveillez-vous. Oh, je suis dans les nuages. Allez. Vous devez vous réveiller. Je vais t'attaquer là, en fait. Cette cible n'est pas valide. T'es sérieux? Je suis déjà apparu? Ouais, ouais, mais moi je te vois. Pas moi. Oh, t'es moche. Ouais, espèce de bâtard. Oh, t'es dégueulasse. Oh, mais ta gueule. Moi je te défonce, mon tarin. Vas-y, moi je dois à deux. Bon, vas-y, les manettes. Ouais, t'as pas accepté pour la Légion. Mais tu m'as dit de pas accepter, connard. Oui oui, non mais c'est bon. Attends, d'abord je t'invite dans un ami, forcément. Moi je t'entends trop fort. Attends. Allez. Attends, je t'entends trop fort moi, c'est dingue.
Ah, je m'en bats les couilles. Attends. Vas-y, parle. Là. Voilà. Ok. Et si tu rages, je vais me défoncer pour elle. Moi, j'ai monté un petit peu le son du jeu parce qu'on n'entendait pas beaucoup. Bon, t'acceptes ? Tu vas te calmer, hein. C'est bon, j'ai accepté. Mais non, tu m'as pas envoyé David, connard, comment je fais ? Si. Attends. Vas-y, rappelle-moi. Apparemment, si c'est bon, t'es dans mes amis là, non ? Je sais pas. Mais oui, je t'ai accepté. Voilà, maintenant invité dans le groupe. Comme ça, tu me verras sur la carte et je te verrai. Bon. Maintenant, tu fais échappe. Ouais. Paramètre système. Paramètre système, c'est bon. Attribution des touches. Attribution des touches, c'est bon, je suis. Ok, la touche de saut. Ouais. Mais là comme ça t'arrange. Bah space. Fais quoi que non. Je vais la mettre à zéro parce que ouais. Marche course. Je vais la mettre à 1. Se reposer, je vais la mettre à 2. Tu lis ce qu'il y a écrit, si tu sais pas ce que c'est, tu me dis. Vol page up. Attends, c'est quoi? Vol page up. De quoi vol? Oui, ben clique sur la touche et tu mets celle qui te faut le mieux. Bon, au pire, on verra après quand t'auras les ailes. Moi, je mets que des chiffres. Enfin, je mets que les flèches et des chiffres, si tu veux. Ouais, ouais. Ben moi, je fais pareil. Démarrer. Ah, si, attends, juste le changement d'arme. Démarrer, terminer, vaut. J'ai pas la suite. De quoi? Démarrer, slash, terminer, vaut. Tout ça. Tout en bas. Chevaucher ou sprint, je vais mettre 6. Ah. Et descendre, je vais mettre 7. À côté, tu vois, il y a écrit combat. Ouais. Mais vas-y dessus. Ouais, c'est bon. Et tu mets à changement d'arme la touche qui te convient. Parce que tu veux, en combat, tu auras des compétences sur une arme. Quand tu les as utilisées, tu changes d'arme et tu utilises ces compétences pour celle-là. Donc en gros, tu utilises une le temps que l'autre recharge. Et après les autres trucs à attribution des touches à combat, on s'en fout. Ouais, tu fais ce que tu veux. Après moi, non, pour le moment c'est pas grave, c'est bon. Voilà, ben maintenant tu fais ok. C'est bon. Voilà, juste après, ben tu verras, on verra plus tard. Au pire, si t'as un truc qui te gêne, tu me dis et voilà. On y va. Ok, bon, on fait la première mission alors. Ouais. Juste appuie sur la touche N. Tu le vois? Ouais. T'as la carte qui s'affiche. Ouais. T'appuies sur le petit cadenas qui est en bas. Comme ça, il se met en transparence. Et le truc de dialogue, là, tu t'appuies sur la croix avec les quatre flèches jaunes, là, et tu l'amènes jusqu'en haut. Comme ça, il... Pas de cadenas. Si, t'as un cadenas juste à côté de tes compétences, là. À côté de la petite épée. Ouais. Non. Mais si. Tu m'as dit d'appuyer sur N, il y a un truc qui s'est affiché là. Oui, c'est la carte. Putain, ça gueule ton truc, tu me parles moins fort. Ah, pardon. Et si tu veux, t'as en haut de la carte, tu as des flèches jaunes là, quatre flèches jaunes, et tu le déplaces sur le coin en fait, que ça te gêne pas. Ah oui, ok. T'as compris? Oui. Voilà, et après t'appuies sur le petit cadenas qui est à côté de l'épée là, où il y a écrit attaquer. Enfin, c'est pas écrit, mais... Tu la déplaces? Non, t'appuies sur le cadenas, comme ça en fait ça la met en transparence. Je la mets où la carte? Tu la déplaces dans un coin que ça gêne pas, jusqu'en bas du coin quoi. Ouais, et là y a pas de cadenas, je sais pas ce que tu me dis. Si, à côté de tes points de vie, là, la barre rouge et bleue à droite, là, t'as un petit cadenas. À côté de mes points de vie? Oui, à côté de là où il y a écrit PV et PM. Ah ouais. Voilà. Ouais, voilà, c'est bon. Et petit, tu dois avoir la... Comment ça s'appelle, le carré de dialogue, là. Oui. Mais il y a une petite croix jaune aussi. Tu l'amènes jusqu'en haut, qu'il nous fasse pas chier. Ouais, c'est bon. Voilà. Bah après, t'as au moins... En fait, faut que tu libères vraiment ton... Là où ton truc de combat, quoi. Sinon, c'est la merde. Ok, bon, c'est bon. Maintenant, on prend la mission. Allez, parti. Allez, elle passe. Qu'est-ce que je fais pour vous aider? À la prochaine. Je fais un service, je fais un service. Bon, en fait, faut juste aller voir Mire. Allez, allez, on y va.
Allez, cours pour rester. Allez. Ouais, je cours, moi. Allez. Je suis en train de courir. Là. Allez, pour rester. Fais un clic droit sur le personnage, ça va plus vite que double clic. Hop, voilà. T'acceptes toutes les missions que tu peux. Nous serons à nouveau les maîtres d'Atria. Et après, ben, tu vas voir quand tu peux, plutôt que de faire 300 allers-retours. Ok, je veux bien veiller. Faut le tuer, en fait. Ouais. Allez, on va les niquer leur race. Faut plus courir, c'est un enfoiré là. En fait, ils poursuivent les lucioles là. Cible laisse-le-moi, espèce de sale bâtard. Tiens. Il y en a plein partout. Et alors, laisse-moi mes kérubins. Là, je te défends. Allez, bâtard, tu vas mourir. Tu vas mourir. Tiens, vas-y, ramasse. Je peux pas. Si, si. Attends, je mixe lui là. T'arrêtes de me le piquer. Non mais c'est bon, on est à 3 là. Ah, moi j'ai fait, oui. J'ai mes 3 sur 3 kérubins. Ah, tu es 3? Ouais, j'ai les 3 là. Vas-y, je t'attends. Dès que t'en as tué 3, après tu viens... Où est-ce que ça t'affiche que t'en as tué 3? En haut, à droite, fais à droite là. T'as écrit chasse aux kérubins, retournez voir Mire ou tuer 3 kérubins. En haut à droite. Non mais tu sais, t'as ta mission là d'afficher en bas là où ah bah, ah oui pardon, tu vois sur la droite là, t'as, si tu vas sur les petites icônes, t'as quête recommandée, quête régionale, quête de niveau. Ouais. Va sur quête de niveau. Ouais. Voilà, et là t'as la mission que t'as prise. Pris. Attends. Bon bref, j'arrive. Quand tu es un dernier. Paramètres de distribution. Propriété sur le butin, chacun pour soi, voilà. Ok. Voilà, j'ai changé chacun pour soi. Bon, tu viens? On va voir Mire. Ah, que voulez-vous? Chasse au Kérub. Ah, changer de niveau déjà. Et moi tu sais, quand j'appuie sur l'arc, ça m'a fait 30 secondes mais ça m'a rien fait. Mais t'as pas d'arc encore. Mais tu sais, en compétence 3, du coup elle sert à rien cette compétence de merde. Le quoi? La compétence 3, comme j'ai pas d'arc. Pareil. T'as une compétence pour l'arc? Ben ouais. Non, ça doit être une compétence, c'est pas pour l'arc, c'est une compétence d'enchaînement. En fait, t'appuies sur celle là, sur celle qui est sur l'emplacement 2, et en fait, ça t'enchaîne sur celle qui est sur l'emplacement 3. Tu peux l'utiliser qu'à partir d'avoir utilisé l'autre, en fait. Bon, go, t'en fous. Viens, suis-moi. En fait, t'as pris la mission ou pas? Ben non, connard, attends, faut que j'aille voir les sacs de céréales. C'est bon? Ouais. Allez, va. Là tu sautes, hop là. Et là en fait c'est juste les sacs qui sont par terre là, tu vas voir. Ouais, je sais, j'ai déjà joué quand même. Non, je sais pas. Oh, tu m'as volé mon sac. J'en sais rien, t'en as juste devant toi. Tu vois, ça te décharge pas. Faut que tu fais un clic droit dessus. Ouais, tu me prends le sac, non. Dégage. Ah, il y en a un qui va venir m'attaquer là, je crois. Hop 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 hop, t'as pas mon pote toi. Vas-y là. C'est bon. Attends. Mais là, mais putain, je comprends pas, ça marche pas. Tu vas sur le sac, t'appuies sur clic droit. What? Quoi? Eh bien. Ça marche pas, je fais 10 000 clics dessus. Attends. Va sur un sac et fais clic droit. Oui, je suis là sur le sac. Bon, mais en fait, tu sais pourquoi? Vas-y, suis-moi. Tiens. Je suis sûr que t'as même pas accepté la mission. Et si? Non, viens me voir. Je suis pas débile non plus, j'ai accepté. Non, vas-y. Observez. Si vous faites face à une... J'avais accepté. Mais non, c'est pas possible. Double-cliquez sur un PNJ pour ouvrir la fenêtre de discussion.
T'as pas cliqué. Hein? T'as pas cliqué. En haut à droite là, dans quête de niveau, t'as quoi? Non, et en fait j'ai fait une connerie. Ah, tu vois? Parce qu'en fait ça m'a pas enregistré les kérosins que j'ai tués. Sérieux? Ouais. Ah, c'est bon alors là. Non, il m'en est encore un. Putain. Ne tue pas aussi. Sale Kira tout de merde. Ah, j'ai une pierre de mana. Ouais. Ah, c'est marrant, t'as une écharpe derrière toi. Quoi? Une écharpe derrière toi. Oui, exprimez-vous. T'as une espèce d'écharpe. Nous serons à nouveau les maîtres d'Atreya. C'est bon, t'as accepté là? Voilà. C'est compliqué, hein. Allez. Il en faut combien, ça, avec des céréales? 3. Ah, mon gars, t'as plus de... Au même niveau que moi, t'as plus de PV que moi. Et toi, t'es un quoi? T'es un... Là, pour le moment, je suis guerrier. Voilà. Ouais, mais logiquement, enfin, ah ben non, ça veut rien dire, tant que je suis pas templier, j'en aurais pas plus que toi. C'est pas un objet échangeable. C'est bon, t'as tout pris là? Et ouais. Sérieux, on peut faire un échange? Cool. C'est bon, comme ça, pour les armes en épée, enfin les épées, tout ça, on pourra. C'est bon. Accepte l'autre mission, moi je l'ai accepté mais je l'ai pas commencé encore. C'est simple, il suffit d'aller voir Paulinia. Ouais, j'avoue. Allez, go, on y va. Ah, viens, ouais, viens par là. Attends, 20 secondes, je remets mon équipe. C'est cassé. Vas-y. Tu vas où? Je sais pas, je te suis. Ah, je suis là. Oui, je te vois. Ah. On y va. Je crois qu'il y a, tu sais, l'autre espèce de fermier là. Ouais, Caio. Calès, Kalos, je sais pas. Calès, voilà. Ah, c'est Calès. Ouais, c'est Calès. Ah, c'est Kalos. Mais j'ai 10 000 tutos là, il me casse les couilles. Les Z là. Ouais. Mais t'en cliques sur une et tu fais ne plus afficher. Je vais faire mon temps. Hop, allez, revenez quand vous voulez. Faut pas aller voir Paulinia avant. Non, non, mais non, fais ces missions qui sont là, comme ça t'auras pas à revenir. Le problème des Keratu, c'est les Keratu, c'est la vie. Moi je peux pas faire accepter pas, tu vois. Ah, mais si, c'est bon. S'il faut que tu descendes jusqu'en bas. Mais oui, mais non, mais c'était pas ça le problème. C'est parti. Fallait attendre. Salut. Relou, tu prends tout le temps de ce que tu veux. Salut Kératou. Bah non, mais on peut attaquer le même, ça marchera quand même. Pour ça, on attaque à deux, nous. Mais dans les donjons, on sera obligé de faire ça. C'est justement pour ça l'utilité d'être à deux, quoi. Quoi, je vais en attaquer tout seul, je suis un bâtard. Ça sert à rien d'aller si loin. Hein. Salut, bâtard. Quand t'as pas de compétences, t'es... Ah, c'est chiant. Ah mais merde, c'est pas ça qui fait la vie. Les Keratu, c'est réallié. Hein? Les Keratu, c'est réallié. Ouais, je sais. Attends, j'augmente un peu le son du... La... Voilà. Putain, pourquoi ça s'est enlevé, ça? Oh, j'ai mis un critique violent. Sur le point d'interrogation, il faut faire clic droit et ne plus l'afficher. Ouais,
C'est un bat que tu devrais avoir écrit le plus affiché. Il en manque un qui rate tout et c'est bon. Comme j'ai l'arc. Belle journée, non? Gueule. Le temps que tu vas lui demander, moi je me repose. Allez go, on va voir trop d'unir. Mais où est-ce que tu vas? Mais attends Oui, t'avais fait assez prendre toutes les missions parce que sinon on s'est chier. Mais oui, négocier un prix avec un Uno, le cuisinier du village. Oui, oui, c'est ouais, ouais. C'est le mec avec dans le village. Oh, on va voir Paulinia, je te suis. Je sais où ils sont les PNJ. T'as vu, c'est cool quand même, tu sais, la touche N, là, tu vois toute la carte. Ouais. Oh, Titou Yazi, t'es lent, là. Toi qui es là, je t'ai oublié de la carte. Ta ta ta. Voilà, je sais. Ah, faut aller parler. Vas-y, tu prends toutes les missions qu'il y a là, c'est le gros bordel. L'appel de Caillou. Salutations. Ah. Ah oui, c'est là où tu peux choisir tes fameuses armes. Ah bah trop tard, j'ai fermé. Mais non, mais c'est bon, tu peux reprendre. Mais c'est où? Non, mais il fallait la refermer, c'est ici maintenant. Viens vers le centre là. C'est où? C'est où toi? Là. Ah voilà, tu me vois pas? Non. Si je suis mon nom est en bleu. Et tu m'as sur la carte. Et ouais mais je te voyais pas. Voilà, et là tu choisis l'arme qui te correspond. Mais de toute façon, tout ce qui est rouge tu le prends pas. Hein. Fais gaffe parce que tu peux le prendre si tu cliques dessus, mais tu pourras pas l'utiliser. Je vous écoute. Ah ah, je vais m'équiper de mon arme. En quoi, dague ou épée? Dague. Ça dépend, si tu veux les dagues font moins mal que les épées mais elles sont plus rapides au niveau des mouvements. C'est juste ça la différence. Aucune différence mais graphique mais bon c'est pas grave. C'est Ion qui vous envoie. Bon, allez go. C'est bon, t'as pris? Ouais. Odinia maintenant. Moi je dois aller voir Kunandes. Oui. Exprimez-vous. Il est où Uno là? J'avais vu Uno. Là, il est là où il y a les trois personnages là. C'est le cuistot au milieu. Que voulez-vous? What? Ah, oui. Revenez quand vous voulez. Bon, moi j'accepte toutes les missions, tu feras pareil. Les Chugos sont là pour vous aider. Les Chugos sont là pour vous aider. Ils vont faire regarder le marchand. Là où il y a une double flèche, ça veut dire que tu as accompli la mission. Et là où il y a une flèche, ça veut dire que tu dois accepter la mission. Oh, Cyril, il y a des Kikou. Il y a des Kikou là. J'ai tué une espèce de poulet de merde là. Ouais mais qui cool. Attends, viens me voir. T'es par là. Comme mignon. Bon allez, on va où? Instructeur oui. Guerrier. Ah voilà, moi c'est l'instructeur guerrier. Toi je t'amène. Attends moi là. Je vais t'amener là où tu vas aller. Acheter un grimoire de compte. Non. C'est pas pour toi, ça fait bien. Toi ton instructeur il est ici.
Et là, tu fais acheter grimoire de compétences. Ok, c'est nickel. Je dois faire quoi? Dark Surprise, Ambition, Ambidextre, quoi? Tu prends lequel? Non, tu prends tous ceux qui sont pas en rouge, et tu la prends après. Mais je peux pas tous les acheter. Non, tous ceux qui sont pas en rouge. Tous ceux qui sont en rouge, tu t'en fous. Parce que ça veut dire que tu t'as pas le niveau encore, bientôt. C'est bon? Ouais. Maintenant, t'appuies sur P ou I. On s'en fout, que ce soit l'un ou l'autre. Ouais, c'est bon. Là, tu vas faire un clic droit sur les livres que tu viens d'acheter. Les infos. Ah ouais, ouais. Maintenant, tu quittes cette page. Tu fais un clic droit. Tu fais un clic droit sur les livres que tu viens d'acheter. Et ouais, c'est bon, j'ai quitté la Maintenant, page. Maintenant, tu quittes la page et t'appuies sur K. Ouais. En haut, tu devrais avoir écrit active, passive, métier, social, action. Oui. T'appuies sur active. Ouais. Voilà, et tu fais glisser les compétences que tu viens d'avoir sur ton... sur ta barre en bas, là. Là où il y a, tu sais, toutes tes compétences où t'as... tu cliques. Ouais. Et par contre... Comment je fais pour mettre la dague que j'ai achetée là, enfin, que j'ai... Je te le montrerai après, tu fais ce que je te dis. Vas-y, dis. Mais non, mais pour les compétences, tu l'as fait? Ouais, ouais. Ok. Donc tu t'as lu ou pas? Genre, inflige entre 47 et 53% de points, comme ça là. 19 à 21 points. Ouais, voilà. Parce qu'après, t'as des compétences de... comment ça s'appelle? D'enchaînement, et t'as des compétences qui font pas de dégâts. Genre, elles augmentent ton attaque et tout ça. Ouais, ouais. Juste pour l'épée, t'appuies sur P ou I. Ouais. Appuie sur P plutôt, c'est mieux. Oui, c'est bon. Et tu fais un clic droit sur la dague que t'as acheté, elle est dans ton inventaire. Ouais, c'est bon. Voilà. Je l'ai mis où là? Mais là, vu que t'as fait un clic droit, généralement elle est arrivée dans ton inventaire, dans sur toi. Mais là elle est dans le cube de base. Non mais. Oui, mais maintenant tu fais un clic droit sur cette arme. Tu fais un clic droit sur la dague et elle va se mettre directement dans ton inventaire. Sur toi. Ok, c'est bon. Sauf que tu le verras pas parce qu'elles se ressemblent les deux. T'auras l'impression que ça n'a pas changé. Et si tu vas sur, par exemple, l'arme qui est dans le cube de base là, si t'as des flèches vertes qui montent vers le haut, change pas. Si t'as des flèches rouges qui descendent, tu enlèves, c'est de la merde. Ouais, je suis à Walpud. Parce que tu viens de faire un clic droit sur ton armure. Merde. Mec, il se fout à poil. Et bon. Vas-y, attends, regarde. Oh yeah, sexy. Bah allez, on va où? Là, viens. T'es là? Ouais, ouais. Voilà, mais tu sais, ton... attends, toi ta dague, garde-la, parce que quand tu pourras avoir deux dagues, tu auras celle-là et l'autre que tu viens d'acheter. Bon, acheter, j'achète quoi, dague de mercenaire ou épée? Bah, écoute, tu sais quoi, vu que t'as déjà une dague, achète une épée. Au pire, là, j'ai les deux, ouais, j'ai assez. Moi, si tu veux. Mais ça te... enfin... Oui, je vais te dire comment faire après, ce que tu vas prendre. Et tu peux vendre des objets aussi, des objets qui te servent à rien, genre poudre d'os, griffe de kératon, je sais pas quoi là. Les élixirs et tout ça, tu les enlèves pas, ni les bandages. La carte. Oh, rien, voilà mon objectif. Putain, on presque pas grand. Bienvenue devant. Ah, moi j'achète un bouclier. Je peux jeter jus de fruits de mercenaire? Non, non, garde-le. Bienvenue devant. Je peux jeter pas un emploi de bandage. Élixir de vie inférieure. Non, non, ça te remonte la vie, ça, quand t'es en cas critique. Fragment d'écaille de kérub. Ouais, oui, ça, oui, ça, on s'en fout. Pourquoi j'ai trois dagues, mec? Alors, parce que j'ai deux. T'as celle d'entraînement et tu veux en acheter une, non?
Dague d'entraînement, ouais, dague des mercenaires. Ben, je peux jeter la dague d'entraînement. Ouais, par contre, t'auras une compétence pour avoir les doubles dagues. Je sais plus à quel niveau. Non, mais je vais la garder parce qu'elle coûte que 1€ en fait, la dague d'entraînement. Oui, bon, on verra quand t'en auras une autre, tu la vendras. Je t'en foutrai. Ouais, go, je vends. Et comment je fais pour valider? Mais ah, tu fais accepter, moi. Ouais, c'est bon. Eh, hey, regarde, j'ai une grosse masse, celui qui m'emmerde, je la somme. Ah ouais. Attends, regarde là aussi. Là, hop, bouclier. Ah. Bon, comment je fais pour changer les armes et tout? Vas-y, fais P. Ouais. C'est bon, t'as ta dague là d'installer? Ouais, j'ai les deux dagues et l'épée. Maintenant, t'appuies sur la touche que t'as sélectionnée pour le changement d'arme. Je sais plus laquelle sienne. Faudra que tu le saches en combat. Attends, je vais sur échappe et je revois. Ah oui, c'est plus. Voilà, et t'appuies sur plus. What? Non, non, mais c'est bon, c'est normal. Si t'as... Et en fait, là, tu places ton épée. Donc comme ça, t'auras deux armes, en fait. Je place mon épée où? Ah, ok. Voilà. Droite, épée, et ça, c'est... Et si tu veux ta dague, bah, t'appuies sur plus pour changer d'arme. Vas-y, fais-le pour voir. Attends. C'est quoi ça? C'est la dague? Ouais, c'est la dague. Alors attends. Moi je veux la dague... Je veux pas la dague d'entraînement, mais je veux la dague libre. Disponible au niveau 3 ou supérieur, donc je voudrais celle-là. Ça c'est la dague, ouais. Et tu changes d'arme et tu mets la... Tu fais le changement d'arme et tu mets l'épée. C'est bon? Ouais, c'est bon. Vas-y, appuie sur plus. Ok, c'est bon. Donc l'épée fait plus mal que la dague, mais elle est moins rapide au niveau des mouvements. D'accord. Ok, on va où? T'as accepté toutes les missions qu'il y a ici, c'est bon? Ça rien. Non, sauf là, peut-être la bleue là qu'il y a. Et tous les trucs, tous les triangles bleus en bas de la carte, c'est des missions? Ouais. Ouais. De toute façon, tu les vois au-dessus de la tête des PNJ, c'est... Le début va être un peu chiant par contre parce que vu qu'on là, on commence... C'est bon? Attends! Il y a un truc qui me fait chier en bas à droite et je peux pas le déplacer, ça me passe trop. C'est quoi? Un message pour Madèle et tout là. Mais non, justement c'est l'émission ça. C'est bon là, t'as accepté? Ouais, je pense. T'acceptes toutes les missions là? Celle de Madina Nerk, de Buvé Nerk, de Uno, t'as tout accepté. Ah voilà, là il me casse pas les couilles. J'ai pas accepté celle de Mina Rek, propriétaire du voisin. Voilà, mais accepte tout et on reviendra quand on aura tout fini. On va nous en faire du fric, donc. Voilà, c'est bon? Ouais. Maintenant suis-moi s'il te plaît. Oh, je te suis, vas-y. Non, ah. Et là, tu vois, t'as l'obélisque, là. Ouais. Tu fais un clic droit dessus. Oui. Et tu mets oui. C'est en fait, si tu veux, ça fait un point d'ancrage. Comme ça, quand tu fais la compétence retour, qui est en bas à droite, logiquement, de ta barre de compétences... C'est lié à cet endroit, coûte 42, comme ça. Oui, voilà, vas-y, c'est bon. Et quand tu cliques sur retour qui est en bas à droite, ne fais pas, parce que sinon tu vas devoir attendre 42 minutes. Ça te fait apparaître ici. Okay. Genre quand tu es trop loin. Hein? On y va? Ouais. Par contre, tu viens d'accepter la mission avec la petite flèche bleue foncée là de Elino. Ouais. En fait, vas-y, arrête-toi là. Ce qu'il faut faire là, en fait, t'appuies sur le petit personnage en bas à droite là avec la flèche qui va vers sa main. Là. Et écrit sélectionner le serveur de débutant. Ouais. Clique dessus. Ouais. Tu fais se déplacer. Transfert le serveur de débutant 3 dans... En même temps, 5 secondes, 4. Voilà, en fait, c'est juste ça la mission, mais enfin, attends. Voilà, ça va te redéplacer.
Tac. Ouais, je sais pas où j'y suis. Voilà, et là, en fait, tu reparles à celui qui t'a donné la mission, là. Madeleine, là ? Ouais. Ah, alors, parchemin de course mineure, vitesse d'attaque plus rapide de 3% pendant 5 minutes, et vitesse d'incantation est plus rapide pendant 3 minutes. Bon, je peux faire vitesse d'attaque. En fait, t'as des trucs en bas, là, que tu peux choisir. T'es obligé d'en choisir un sur un, tu vois. Oui, c'est bon, ça me plaît. Voilà. Et tu recliques sur lui là, il a une deuxième mission. Ouais, c'est bon. Voilà, c'est bon, t'as fait ? Oh, il dirait qu'il y a une autre mission là-bas. C'est bon ? Ouais. Maintenant, bah, tu fais pareil que tout à l'heure, tu fais le petit bonhomme. Le serveur principal, c'est déplacé, go. C'est bon. Voilà, et là, on va revenir, on va devoir lui reparler et on va gagner 6000 et quelques kina. T'as fait quand même la mission trop simple. Ouais. Parfois c'est genre tu demandes la mission à quelqu'un, tu dois lui reparler et t'as des kina. Mission branle. Et qui a un de et voilà. J'y suis, moi je suis avec toi. Oui c'est bon. C'est là. T'es où Afal? Là. Tu cherches. Oh. Ouais c'est bon, c'est bon. C'est bon, viens. Donc c'est la fin de cette vidéo, donc j'espère que ça vous aura plu pour justement la première. Elle a été, elle sera un peu plus longue que les prochaines, ça c'est promis. Et à part ça, en tout cas, je vous demande de vous abonner si ça vous a plu, de mettre au moins un pouce j'aime, ça fait toujours plaisir. Et à une prochaine vidéo. Oh.